Alors que nous allons nous transporter vers le saut de cheval avec mademoiselle Choussofitina qui représentera l'Ouzbékistan. Eh oui. Voilà, c'est pile chute. Alors ça, c'est important pour le saut, puisque là, pas de dixième à enlever. Oksana Choussofitina. On l'a connue très très jeune, cette gymnaste. Un saut par renversement avant, une saltant carpée avec demi-tour. Belle ligne. Hein. Ah, ce saut dans le dôme de Sabaé, c'est impressionnant. Hein. Voilà, elle vient de l'Ouzbékistan, donc une république de l'Est du continent de l'ex-URSS, est, voilà. Sud-est. 9,618. Bon, c'est pas... Non, c'est pas la note qui est annoncée. 9,625, pardon. Oui, bon, c'est normal. On peut se tromper de quelques dixièmes. Alors, le numéro que vous voyez, 3,401, c'est le numéro de code qui détermine le prochain saut de mademoiselle Choussofitina. Choussofitina. C'est pas mal, hein. Saut par renversement arrière, cette fois avec une vrille complète dans le deuxième envol. Voilà ce qu'on appelle un Tsukara vrille. Alors je ne sais pas quelle est la valeur de départ de ce saut. Et les différences se font souvent là. L'Ouzbek qui s'envole. Voilà, le quart de tour dans le premier envol, on fait une rondade sur le cheval en quelque sorte, et une vrille complète dans le deuxième envol. C'est propre, c'est bien exécuté, c'est pile chute. Elle est très tonique. Et elle réceptionne parfaitement parce qu'elle a beaucoup de force dans ses jambes. Hein. Et il est à noter pour ceux qui suivent la gymnastique, effectivement, de plus près, que les tapis de réception sont désormais autorisés. Oui, petit tapis de sécurité. Tapis de sécurité qui enlève les traumatismes, enfin qui efface les traumatismes successifs.